Eh bien, bonjour à tous et à toutes, mon nom est Hypnotique Marc, j'espère que vous allez bien avec la caméra décentrée. Donc, on se retrouve aujourd'hui sur un live, comme d'habitude tous les samedis sur la chaîne Twitch de Geeks&Com. Qu'est-ce que c'est Geeks&Com? C'est votre site d'actualité en tout ce qui concerne la culture, les jeux vidéo, mais bien entendu les nouvelles technologies. Aujourd'hui, on est sur Trackmania Turbo, mais juste avant de commencer, je tiens à vous rappeler que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux Geeks&Com, sur Twitter, Facebook, YouTube, Google+, et iTunes aussi, parce qu'on a des podcasts. D'ailleurs, le podcast jeux vidéo qui reviendra demain, avec moi-même comme nouveau animateur, c'est moi qui s'occupe maintenant des podcasts et ça va rouler, je vous le dis. Donc, de retour les amis. La semaine dernière, nous étions sur Pokken Tournament. Cette semaine, nous serons tout simplement sur Trackmania Turbo. La semaine prochaine, bah, j'ai toujours pas choisi. D'ailleurs, vous retrouverez le titre de la critique de Trackmania Turbo très bientôt sur le site de Geeks&Com. Donc, ah, c'est parti, moi j'ai mis mon écran de mon côté. Allez, c'est parti. Donc, Trackmania Turbo qui est sorti tout récemment, donc il y a à peine 2 semaines, je crois, 1 semaine et demie. Bref, j'ai eu le temps d'y jouer un petit peu, donc vous allez voir, j'ai un petit peu avancé. C'est un très bon jeu. Étant un très grand fan de Trackmania, pour être franc, je suis bien heureux de vous retrouver sur ce jeu en live parce que ailleurs, il y a mieux que ça. Donc, dans les campagnes officielles et les défis, on a bien sûr les online racing, les track builder, les multiplayer qui permet principalement tout simplement en local. On a bien sûr le garage où on peut personnaliser nos voitures, etc. Je vais aller vous montrer ça tout de suite. Ce sera fait comme ça. Donc, on va aller voir un petit peu tout ce qu'on peut faire. Donc, mes impressions jusqu'à maintenant sur Trackmania Turbo, il est bien. Je l'aime beaucoup. J'ai pas encore texté. Texté, oui, j'ai pas encore texté. J'ai pas encore testé le nouvel environnement, ni le stadium, ni l'environnement stadium, qui est vraiment mon environnement favori des Trackmania. Je suis un très 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 grand fan. Vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc on peut mettre un drapeau, on a plusieurs types de, vous voyez, plusieurs types de peinture. Ça c'est pas mal sympa, je dois vous avouer. C'est quand même pas mal sympa. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est beau ou c'est laid? Ah, ça ressemble un peu plus au Canada, ça. Parce que j'ai un petit drapeau du Canada. Bref, vous voyez qu'on a des numéros. On a aussi une sorte. On peut mettre du magnésium, du chrome ou encore de l'aluminium. Pour être franc, je vois pas nécessairement de différence entre les différents types. On a aussi les legendary. Vous voyez qu'on peut débloquer contre des unités du Ubisoft Club. Parce que ce titre, hein, toujours développé par Nadeo, est bien entendu édité par Ubisoft. Donc on va faire la campagne solo tout simplement. On va continuer là où nous étions arrêtés. Vous voyez que moi je suis ici. Mon but étant, j'ai terminé les 10 premiers de le canyon. On est maintenant dans la vallée, donc Don't Dirty Valley. On va voir un petit peu, vous voyez, j'ai les médailles d'or. On est rendu au 14. Ils ont remis les multilaps. Pour mon plus grand désarroi, ils ont remis les foutus multilaps. Je jaillis les multilaps. Sérieusement, jaillis. Je suis pas capable du tout de faire les multilaps ou de les réussir correctement. Donc les multilaps, n'attendez pas que j'obtienne la médaille d'or. Pour les autres, on essaiera de la faire quand même. Mais pour les multilaps, là, ça risque d'être un peu difficile. D'ailleurs, en termes de programme, tout de suite après moi, donc dès 10h, heure du Québec, et dès... ça fait 15h, je crois. Ouais, 15h, heure de la France. Vous retrouverez Waltrius sur l'épisode 2 de Walking Dead Mission. Et pour terminer, la team Katsuya sera sur un jeu dont j'ai oublié, mais que je vais regarder juste ici, je vais pouvoir vous le dire, sur The Elder Scrolls Online. Voilà. Allez, c'est parti. C'est parti, on va tenter l'or comme d'habitude. Alors, je l'ai jamais fait, c'est des pures découvertes, hein, lorsque je fais les courses. Oh putain, je dois me remettre dans le bain du Trackmania Turbo Jaillit la vallée. Ah oui, ce serait pas celui que plusieurs détestent justement à cause... ouais, la vallée, ça dérape vraiment trop. Ne vous inquiétez pas, on va recommencer tout de suite après. Juste pour s'habituer un petit peu là. D'accord. Non, c'est B. J'ai cherché le bouton pour recommencer. C'est longue partie. Allez, on va tenter ici d'aller chercher la médaille d'or. Le circuit est pas trop difficile. Faut que j'arrête de déraper comme ça. Je fais perdre incroyablement de temps. Non merde, j'ai trop tourné. Putain. On recommence.
Là, j'ai le son extrêmement élevé dans mes oreilles. Là, il faut que je change ça tout de suite. Et automatiquement, quand il y a de l'eau, là, c'est de l'aléatoire. C'est ça qui est un peu dommage. C'est quelque chose dont plusieurs personnes qui ont joué au jeu se plaignent depuis le début. C'est tout à fait normal. Bon, ben, on va recommencer. C'est pas grave. Oui, pourtant, il a pris. Le fantôme de Médaillon, il a pris. Quand le mec, lui, il dérape pas. Bien. Ah merde. Ah, vous allez voir, je suis chiant sur Trackmania. J'essaie toujours d'avoir les médailles d'or. Allez, c'est parti. Pour le moment, j'aime pas trop Valet. Pour être franc, j'aime vraiment pas trop Valet. Le véhicule n'a aucune adhérence, mais vraiment pas. Vous voyez là, je donne un coup de volant, un coup de joystick à gauche. On est sur la version Xbox One si vous ne l'aviez pas remarqué. Donc je donne un coup de joystick soit à droite soit à gauche et c'est terminé pour moi. Non, non, putain, je l'avais! Merde! Je l'avais, je menais depuis le début. Allez, on va recommencer. Ah oui, puis j'ai un chandail vert avec un fond vert, pas besoin de me le dire. Alors, je vous rappelle que si vous écoutez cette rediffusion sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à venir me rejoindre tous les samedis en live. Et pourquoi pas vous abonner à la chaîne Twitch de Geeks&Com, comme ça vous manquerez aucun live, putain! J'ai touché le rebord. Ah, je le trouve beaucoup plus difficile que les autres Trackmania. Du moins, c'est mon avis. Je sais pas si vous si vous y avez joué, si vous êtes du même avis que moi. Vous voyez, aussitôt que je tourne, je peux pas tourner. Et le problème, c'est quand que je peux pas tourner, eh bien, étant donné que ce véhicule a peu d'adhérence, eh bien, la précision est un peu laissée au hasard. Est un peu laissé au hasard, en fait complètement laissé au hasard. Et voilà, médaille d'or. Bon, je vais pouvoir baisser le son de mes oreilles, voilà. Alors, vous voyez, classement Québec, Canada, monde, etc. Le but, ce ne sera pas d'être premier, hein. Je vous le dis tout de suite. Piste suivante, Là, j'ai soif. On va voir. Les chargements aussi, c'est un peu long. Beaucoup plus long que les derniers Trackmania, ça également, c'est un petit peu dommage. Alors, bien tranquille sur le chat aujourd'hui, les amis, vous êtes bien tranquille. N'hésitez pas à interagir. 1 minute 37, ouf! Ah oui, c'est un multilab, c'est pour ça, d'accord. Ah oui, c'est celui-là là que plusieurs youtubeurs se plaignaient, l'eau ici, faisant en sorte qu'on ralentit une fois sur deux. Bref, ici ce ne sera pas si grave si on n'a pas la médaille d'or. Bien sûr, on essaiera de pas trop se planter. Ce serait bien. J'aime vraiment pas les multilaps. Je sais pas vous de votre côté, si vous avez le jeu, est-ce que vous aimez les multilaps? Moi, je déteste. Accrocher le mur, c'est clairement. Plus vous allez vite également, plus la musique va être rapide. La musique est quand même assez sympa. Il n'y a pas de doute. Alors aujourd'hui, ce sera principalement de la campagne solo, hein. Mon but n'est pas nécessairement de vous montrer autre chose que la campagne solo. Oh putain. Ouais, le véhicule là, j'ai vraiment de la difficulté dans cet environnement. Ah d'accord, il a décidé de pas tourner. Ça va, pas de problème. Oh putain. Ouais, sur. Sur la terre, il dérape beaucoup trop. Et sur le. Vous voyez, là, je donne des petits coups là seulement là sur le joystick. Et ça part complètement en vrille là. Comme je vous l'ai dit sur le multilab, mon but n'est pas nécessairement d'avoir les médailles d'or. Parce que pour être franc, c'est beaucoup trop difficile d'avoir les médailles d'or là-dessus. Je sais que c'est faisable, mais il faudrait que je try hard. Que je try hard un peu trop longtemps. Non.
4 secondes d'art, vous allez me dire qu'on est limite. Je vais être d'accord avec vous. Oh putain. Non, 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 non. Ça va, on est de retour sur... On est de retour sur le bitume. C'est... J'haïs vraiment les multilabs. Mais vraiment, le Valais, maintenant, c'est l'environnement que je déteste le plus. Jusqu'à maintenant, littéralement, c'est... C'est ce que je déteste le plus. Vraiment, là. Mais bon. Non, je vais pas tenter l'or. Je voulais faire piste suivante. Ça, c'est dommage que ce soit pas piste suivante comme premier... Comme première option lorsqu'on est dans ce menu-là. Alors d'ailleurs, et également aussi, si vous n'êtes pas en source, je tiens à vous dire que regarder en direct du Trackmania, c'est vraiment difficile sur Twitch, ça fait plein de pixels, mais au plus haut point, sérieusement, c'est affreux. Donc, je vous invite plus à regarder la rediffusion, c'est un peu étrange de la part de quelqu'un qui fait un live, et regarder la rediffusion, mais bon. 28 secondes. Oh putain. Ah, mais merde là. J'étais premier, tout allait bien. Je vais voir au moins où est la finale. Ah, il est quand même. Ah, d'accord, ici il faudra pas aller trop rapidement. D'accord. Ah, elle a l'air quand même longue contre piste là. Ou j'arrête d'accrocher le mur, ça me fait perdre un temps pas possible. D'accord, ça c'est la finale, c'est bon, c'est bon. On connaît maintenant la piste, on va essayer d'avoir l'or. On va essayer d'avoir l'or. Alors Trackmania Turbo est peut-être, comme je le disais, le jeu le pire pour faire du streaming. Littéralement là, parce que c'est affreux. Là vous me gagez comme un qui va venir me dépasser là. Voilà, j'en étais pas bien persuadé. On avait mené tout le long. On a touché le mur. Donc vraiment, à cause que ça pixelise beaucoup trop sur Twitch. Là, c'est... Twitch est l'une des plateformes, vous le savez, hein, j'ai déjà travaillé pour un autre compétiteur. Et on était sur Dailymotion lorsque je faisais live. Aujourd'hui, ils ont passé à Twitch comme tout le monde. Mais on était sur Dailymotion. Et pour être franc, Dailymotion fonctionnait bien mieux en termes de pixelisation d'image. Ça, y a pas de doute. Et merde! Je veux ma médaille d'or! Je veux ma médaille d'or! Ah! Ouais, là c'est mal parti pour ma médaille d'or. Vous pourquoi je vais tout le temps en droite? Bah, c'est pour éviter justement. Mais merde! Putain d'environnement! Ah, vous allez me voir rager aujourd'hui, c'est clair, net et précis là. Vous allez me voir rager au plus haut point. Merde d'avoir fini ce foutu d'environnement là. Ah mais putain là, je veux dire, si je dérape pas, je rentre automatiquement dans le vide là. Mais si je freine ou quoi que ce soit, mais il me dépasse à la plus grande vitesse là. Malgré que j'ai près d'une seconde d'avance sur lui à chaque fois là. C'est un peu abusé ça. Et là j'ai touché le mur, c'est terminé. Allo, c'est moi Terence Hill sur YouTube. Bonjour à toi, bienvenue ma chère, bienvenue. Sur ce live Geeks and Com. Allez, c'est parti. D'accord, ce n'était pas prévu, mais ça a presque fonctionné. Bah, vous voyez, mais je sais pas si on serait capable de le dépasser là.
Peut-être pour la fin, je sais pas. Non! Médaille d'argent. Bon, on va tenter l'or. Je voulais pas terminer. J'avais cliqué sur B pour recommencer juste à l'un. Malheureusement, on n'a pas réussi. C'est donc parti. Allez, on va recommencer. Merde! Je sais pas comment faire pour ce virage. J'en ai aucune idée. Je sais pas comment faire pour pas toucher au mur. J'en ai aucune espèce d'idée. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai touché, il va me rattraper. Voilà, c'est ce que je disais. Aussitôt que tu touches au mur ou que tu freines, ça marche pas. Ça ne fonctionne pas. Mais je vais finir par avoir ma médaille d'or sur ce circuit. Je vais finir par l'avoir. Oh putain, j'ai réussi. J'ai ralenti comme pas possible. Et médaille d'or. Boum. Voilà. Tu fais des lives sur NHL 16, nous disons, quelquefois, mais pas souvent. Je regarde vraiment ça sur YouTube, tout ce qui est NHL. Le grand 73e au Canada sur ce circuit, c'est pas mal là. Piste suivante. Piste suivante. Salut, moi je joue à Trackmania United, nous dit TST Gamma sur le chat. Bonjour à toi, oui, Trackmania United, moi je l'aime bien. Mais là, je teste vraiment Turbo. Même si cet environnement commence vraiment à me faire chier. On peut pas dire les vrais mots. Oh, big jump. On va voir ce que c'est. D'accord, la terre. Donc on sait ici que la terre sur Valley, ça dérape extrêmement beaucoup. On va, d'habitude je me rends jusqu'à la fin. Circuit, on peut voir là comment c'est. Bah en fait on n'aura pas pu voir la fin du circuit. Allez, parti. On va aller doucement. Pam 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 pam. Raté. Ouais, je perds du temps en faisant ça, mais j'ai pas le choix parce que il faut que mon véhicule revienne à la normale et là ça ne fonctionne pas. J'ai cet environnement. Ah, vous allez m'entendre le dire souvent, je suis content qu'on passe à l'autre environnement. L'autre environnement d'ailleurs qui sera le nouveau. Le nouvel environnement de ce jeu. Nouvel environnement rajouté à Trackmania qui s'appelle Lagoon. C'est terminé. Enfin, cet environnement, ce qui est difficile avec cet environnement, c'est on donne un petit coup. Un tout petit coup de volant sur le joystick. Et c'est la fin. Si vous donnez un trop gros coup, bah, la médaille d'or prend les devants. Avec une vitesse dont vous serez incapable de... Non, putain! Allez! Pour ceux qui aiment me voir rager sur des jeux, vous serez servi. D'accord, j'ai pas tourné. J'ai pas tourné. D'accord, on verra jamais la fin. Pourquoi tu fais plus de live sur ta chaîne Twitch, nous dit Terence? Ben, j'en fais pas nécessairement, tout simplement parce que j'aide un peu la chaîne Twitch de Geeks&Com. Je travaille pour Geeks&Com en tant que journaliste, donc pourquoi pas réunir et rejoindre une belle équipe.
pour ne pas rejoindre une belle équipe déjà bien installée sur Twitch de Geeks&Com. Et les aider. Merde. On est basé tout droit. Donc ça arrive au même hein, que je sois sur ma chaîne Twitch à moi ou sur la chaîne Twitch de Geeks&Com, ça ne change pas grand chose. Surtout que ma chaîne Twitch, il faudrait que... Mais mon but c'est sûr, ce serait de vous faire plus de live, hein. Vous inquiétez pas, j'ai complètement raté, je sais pas pourquoi mon véhicule n'a pas avancé. C'est sûr, ce serait de me faire plus de live, mais je vous rappelle que je travaille, j'ai une vie sociale, j'ai des études. Donc pour moi c'est un peu impossible, donc ça ne donne pas grand chose de mettre sur ma chaîne YouTube, sur ma chaîne Twitch à moi. Autant bien me mettre sur la chaîne Twitch de Geeks&Com et faire profiter toute l'équipe de ma certaine notoriété entre guillemets sur YouTube. Même si je vous annonce pas les lives sur YouTube, mais je vais en parler dans un prochain Hypno sur le vif là. Et si vous voulez venir me rejoindre en live, c'est mieux de le faire, putain. Ah, c'est mieux de le faire sur la chaîne Twitch de Geeks&Com. J'en parle pas souvent sur YouTube, faudrait que j'en parle un peu plus. Que vous puissiez venir me rejoindre. Mais ma communauté a toujours été plus une communauté de YouTube que de Twitch. Bon, demandez-moi pas trop comment j'ai réussi. Putain, c'était la fin. J'en suis certain que c'était la fin en plus. J'en suis certain. Allez, on va être capable. On va être capable. Croyons en nous. On a touché une roche, c'est terminé. C'est pas de votre côté. Si vous avez le jeu, n'hésitez pas à me dire soit en commentaire, soit en direct sur Twitch. Lequel vous des environnements vous aimez le plus, lequel vous détestez le plus. Je crois pas être le seul à détester Valley. Oh putain. Ah, si j'aurais tombé juste à côté, pour être franc, je pense que ça aurait été un raccourci. Je crois. J'en suis pas certain. J'en suis presque sûr. Allez, c'est parti. Non, j'ai trop tourné. J'ai trop tourné. Ah, la petite moindre erreur hein, sur Valley, c'est la fin. Terminé également. Je vais devenir fou. Réellement dans ce live, je vais devenir fou. Vous allez voir, perdre tous mes moyens. À recommencer comme ça. Encore et encore les niveaux. Non, j'ai déjà perdu le contrôle de mon véhicule. Voilà, c'est la fin. Moi, je réussis à le reprendre. Ouf, il n'y avait pas de rush dans ce buisson. Voilà, c'est la fin. Je le savais tout de suite. Lorsque le véhicule va de droite à gauche, bah c'est la fin. J'en suis certain. Terence Hill sur le chat qui nous dit je reviens, mais pas de problème. Pas de problème. Oh putain. Oh putain, j'ai perdu le contrôle. Alerte. Alerte contrôle. Voilà. Bon. Allez. Et terminé. Terminé aussitôt, je le sais. Je le sais, tu le sais. Tu le sens aussitôt. Là, ma webcam qui est encore crush, putain. Ça fait 4 fois, je l'arrange. Elle bouge tout seul. J'ai pris la roche. Bon, on va profiter pour remettre la webcam au centre. Ce serait bien. Uno. Allez. Ah, vous allez me trouver chiant, il y en a des personnes qui veulent pas absolument les médailles d'or. Moi, c'est parce que je veux absolument les médailles d'or. T'as envie de dire, ouais, tu es chiant, Hypnotic Mark, tu recommences tout le temps. Bah ouais, mais c'est mon jeu. Chacun a sa méthode de faire, moi, je préfère toujours avoir les médailles d'or. Du moins, pour les courses normales, pour les multilaps, c'est tout autre chose. Adieu. On a pris le virage un peu trop rapidement. Jamais eu de médaille Nadeo aussi, j'aimerais bien avoir des médailles Nadeo.
Oh non, putain! La roche. La roche qui m'a empêché. On était si bien partis, les amis. A Toto est une histoire de où être placé, littéralement, là. Non, c'est pas la fin, mais je voulais voir un petit peu. Ouais, ouais, c'est la fin. Ouais, c'est bien ce que je croyais. Donc, cette partie du virage à la toute fin, c'est bien la fin du circuit. Donc, on va essayer de s'y rendre. Et ouais, vous allez voir, je suis chiant sur Trackmania Turbo. J'essaie toujours d'avoir les médailles d'or. Est-ce que ça va être limite? Non, ça va. Ça va, on s'en est bien sorti. Peut-être un peu trop viré ici. Est-ce qu'il va nous rattraper? J'espère pas. Ouais! Wouh! Voilà. Voilà, voilà. Médaille d'or, les amis, sur ce 17e circuit. On passe au numéro 18. Allez, c'est parti. On passe au numéro 18. Petit chargement, doudoudou. Voilà, donc médaille d'or, 23 secondes, pas très long. Oh putain. Ah merde. Allez, c'est parti. On va recommencer. Bon, bah, les premières fois, vous le savez, hein, c'est jamais les meilleures fois. Oh putain. Je sais pas trop comment je vais essayer. Void the center, bah, d'accord. Ah, d'accord, le véhicule qui part à gauche, mais complètement, mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, là, t'es que c'est pas moi là qui pousse vers la gauche là. D'accord, donc le véhicule, c'est bien ce que je croyais. J'ai vu plusieurs personnes faire ce niveau. Qui avait le même problème que je viens d'encontrer juste là. C'est-à-dire qu'il va. Le véhicule a tendance à partir complètement vers la gauche. Salut, comment ça va? Il nous dit Gamer Breton. Ça va très très bien. Toi-même, mon cher Gamer Breton. Je vais très très bien. Putain! Merde! Encore raté, j'ai accroché un mur. Ah, je suis chiant sur mes médailles d'or, mais je vais le rester. Je vais le rester parce que je veux mes médailles d'or. Je veux mes médailles d'or. Ah oh, putain, le poteau. Ah, y avait, on a pris un lampadaire. On a pris un lampadaire. Je sens qu'en plus qu'après le saut, ça doit être la finale ou quelque chose du genre, parce que c'est juste un circuit de 28 secondes là. Donc, j'ai comme l'impression que c'est vraiment la fin. On va voir là, mais j'en ai bien peur. Ouais, c'est la fin. C'est la fin. Non. À la fin, j'ai hésité entre dois-je braquer mon véhicule complètement vers la droite ou dois-je arrêter de le braquer. Finalement, bah, on est rentré dans le poteau. Hein. La décision a été prise beaucoup trop lentement. Ouais, le véhicule a tendance à partir complètement sur la gauche. Et lorsque je me remets vers la droite, je prends soit un poteau, soit un lampadaire automatiquement. Donc il y a vraiment du hasard. Je sais pas pourquoi on a tendance à partir complètement de la gauche. Je vois bien qu'on n'a pas d'adhérence. Sur Trackmania, on n'a jamais eu d'adhérence lorsqu'on était en looping ou sur ce genre de plateforme.
Mais quand même, je dois avouer que pas avoir d'adhérence au fait en sorte que ton véhicule tourne à gauche tout seul, c'est un peu louche. C'est un peu louche. Il y a un petit virage ici. Petit virage sournois en quelque sorte. Hein, qui je le vois jamais en quelque sorte. Ça me perturbe là. Parce que je pense tout le temps, ah oh, j'ai tourné assez, mais finalement j'ai pas tourné assez. J'ai pris beaucoup trop mon temps. Ouais, il part soit vers la droite, soit vers la gauche. C'est abusé cette partie. C'est abusé là. Je vais devenir fou. Je vais devenir fou, les amis. Non, raté. Je suis me concentrer, ça va pas plus d'effet. Ah merde. Allez, c'est parti. On va réessayer. On a eu, mais là on doit éviter le centre. Non. Ah putain, mais oui, mais. Non, non. Qu'est-ce que tu me fous? Ah! On se concentre. On se concentre. On a raté. Mais bon, ce qui me fait... Ce qui me fait rager comme ça, bah c'est la fin. Parce que dans le foutu looping, eh bien notre véhicule réagit n'importe comment, réellement là, n'importe comment. Et c'est chiant parce que même si je réussis le circuit, bah, tout est gâché par ce foutu looping. Et je sais qu'après le looping, là c'est la fin. Oui, c'est la fin. C'est la fin, c'est bien ce que je croyais. Donc on doit absolument réussir le looping en premier. Si on ne sort pas du looping, du saut du looping, alors qu'on est premier, bah c'est la fin tout simplement. Je vais devenir fou avec ce foutu looping là. Oh non, il m'a dépassé à la fin et alors on l'avait eu là. Merde! Ouais, c'est vraiment le looping qui décide tout, hein, comme je le disais. C'est parce qu'à chaque fois qu'on donne un petit coup de volant dans le looping, mais il faut savoir que vous ralentissez là, c'est tout à fait normal. Là. Oh non, tu me dépasseras pas, tu me dépasseras pas, tu me dépasseras pas. Victoire! Medaille! Boum! Numéro 19, on va y arriver. Après le numéro 19, ce sera une nouvelle fois un multilap. Mais bon, numéro 19, ça va déjà mieux.
23 secondes, d'accord, c'est assez, assez petit, donc un demi-tour tout de suite, un début. D'accord, c'est un demi-tour complet en plus. D'accord, il faut un petit peu que ça... J'imagine ça va être plusieurs demi-tours comme ça qui font... Plusieurs demi-tours de cette façon. D'accord, la fin est juste là. Un circuit pas trop difficile pour être franc. Pas trop difficile, il faut juste arriver avant, avant notre adversaire, mais ça devrait bien se faire en principe. En principe, on devrait être ok. Ah, il tourne moins que nous, hein. C'est ça qui est fatigant. Il tourne un peu moins que nous, donc je sais pas, est-ce qu'il ralentit peut-être? Il fait peut-être juste lâcher l'accélérateur, on pourrait essayer. On pourrait largement essayer, y a pas de problème. Non, il faut que je freine là. Je viens de le voir. Lorsque je tourne, il me dépasse automatiquement. Ah, il sera pas facile, mais c'est même pas à cause pas parce que le circuit est difficile, le circuit on le réussit à chaque fois là. D'accord, j'ai pris le poteau. Je sais pas trop comment, mais j'ai pris le poteau. Merde, je sais pas trop comment le dépasser au niveau, je sais pas trop quelle trajectoire prendre pour avoir l'avance sur lui parce que, bah au début j'ai toujours l'avance sur lui. Toujours, toujours, et je comprends pas que cette avance me suffit pas. Non, j'ai tourné un de trop. Ah, je le savais en plus en tournant mon joystick, j'avais tourné une fois de trop. Je le savais immédiatement, j'avais réussi à prendre le virage extrêmement bien, donc le demi-tour très 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 près de la limite qu'on ne réussisse pas le demi-tour. Bah, c'est sûr, si vous prenez le demi-tour le plus près possible du mur, eh bien c'est là que ça va être plus payant, donc plus vous prenez le virage de l'intérieur, mieux ce sera. Si vous prenez comme moi, vous voyez... c'est bien aussi, hein, vous réussissez le circuit sans problème. Mais malheureusement, vous ne réussissez pas. Non. Allez, 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 allez. Oui, médaille d'or. C'est ce qui est important. 79e au Québec quand même sur cette piste. Bon, on a du nouveau contenu dans le garage, c'est pas très important. Piste suivante, ce sera le multilap, 20e piste, donc dernière piste dans cet environnement vallée. Et pas la même d'ailleurs environnement vallée qu'on a déjà vu dans les autres Trackmania. Alors je vous rappelle que dans les multilabs, je n'essaie pas nécessairement d'avoir la médaille d'or. Même si c'est bien, si on a la médaille d'or là, ce n'est pas du tout obligatoire. C'est pas quelque chose que je recherche automatiquement. Même si je dois avouer... Ah d'accord, lui il passe plus vite. Oui, on m'avait parlé de l'eau un peu aléatoire là. C'est le cas ici. Au revoir. Voilà, j'ai pas le choix de recommencer. Donc je dois moi faire 3 tours
Pas nécessairement, comme je vous le disais, d'avoir les médailles d'or, mais au moins faire 3 tours qui ont du sens, donc que je me plante pas là. Putain, j'ai touché le truc. Et dommage, lorsqu'on est sur la terre comme ça, bah, si vous donnez un coup de joystick, donc si vous donnez un coup de volant soit à droite soit à gauche pour éviter l'obstacle, à la dernière minute, le véhicule ne tournera pas. Le véhicule ne tournera tout simplement pas. Et on doit pas prendre ici trop, il faut pas trop couper ici. Je fasse attention. Mon erreur pour le moment que je répète à plusieurs reprises là. Faut que j'arrête d'essayer de trop couper. J'essaie trop de couper. J'essaie trop de couper et ça me tue littéralement. J'essaie trop de couper et ça me tue littéralement. Je vais essayer de moins couper. Alors ici on m'a dit prends vers la droite et tu iras plus rapidement. On va voir si c'est le cas. Bref, ici on est premier jusqu'à maintenant. Comme je vous dis, mon but n'est pas nécessairement d'être premier, donc ça va si jamais il me dépasse. C'est pas... Mon but est tout simplement... Le deuxième tour je suis pas capable. Deuxième tour je suis pas capable, on est trop rapide. On est trop rapide, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne. D'accord. Bah ouais, ça c'est bien aussi. Trois tours, mais si je meurs à chaque fois au premier, ça sera très difficile après de reprendre. Bon là il m'a dépassé parce que si vous m'avez vu là, j'ai tourné à droite et à gauche de façon consécutive. Mais comme je vous l'ai dit, ici mon but n'est pas d'être premier. Si j'ai une médaille d'argent, c'est pas si mal, hein, vous allez me dire. Là, c'est ce saut là, ouais, j'arrive à très grande vitesse, c'est assez difficile là. Non, tourne pas trop d'avance, hypnotique. Marc! Putain. Ah là, je continue là. Là, je recommence pas. Pas quand on était si près d'une. On a quand même 7 secondes de retard. Je sais pas si on serait capable d'avoir les médailles d'argent quand même là. D'accord, et là je le réussis bien, quelqu'un m'explique. Voilà, si on a la médaille d'argent, bah c'est pas si mal là. On a un succès. Vallée blanc terminé. Donc, toutes les cartes blanches de vallée sont terminées. Revenir au choix de piste, vous voyez, donc lorsque j'ai argent, je suis quand même assez bien. Je vais vous montrer mes résultats ici. Au canyon, je sais pas pourquoi j'ai eu bronze ici, puis j'ai même pas eu or sur cette piste. C'est un peu dommage. Mais bon, on va aller directement au Lagoon. Tout nouvel environnement de ce Trackmania Turbo. On va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Déjà près d'une heure de jouer, 45 minutes pour être plus précisément. Ah ça va vite sur Trackmania, ça passe vite, le temps passe vite. Je vous rappelle que je suis en live tous les samedis, mais aussi qu'il y a une équipe, il y a des lives tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche sur la chaîne Twitch de Geeks&Com. Donc c'est pour ça que je vous invite à vous abonner à la chaîne Twitch de Geeks&Com et à activer les notifications par courriel, ou bien à suivre le planning qui est juste en dessous du lecteur, comme ça vous êtes sûr de rien manquer. 22 secondes, c'est rapide comme circuit. Alors je vous dis tout de suite, il va falloir s'habituer au nouvel environnement. Ah putain, il y a un tournage, merde. Ah ouais, ça colle là. Ah d'accord. Ah, comme je vous l'ai dit, il faut s'habituer au nouvel environnement. Nouvel environnement dit nouvelle adhérence, nouveau comportement de la voiture.
D'accord, on est capable de tourner aussi sec. Ah ouais, il faut que je tourne, putain. J'ai toujours l'impression qu'il faut que j'aille tout droit. Toujours l'impression que je dois aller tout droit. Alors que ce n'est pas le cas. Ah, j'ai touché un mur en partant. C'est déjà mal barré. Alors, on n'est pas obligé de freiner là en lagune. Tourner trop rapide. Ouais, comme je vous l'ai dit, je dois m'habituer au comportement du véhicule. Je dois voir un petit peu de quelle façon il tourne. Papalap, 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 papalap. Putain, j'ai trop tourné. C'est pas un si gros virage là. J'ai pas besoin de faire ça. Moi, je crois presque que c'est un demi-tour, tu sais. En fait, c'en est un, mais sur une plus longue distance. Et là, j'ai touché le mur. Personne n'a rien vu, les amis. Alors, comment on débute là sur cette part? Bienvenue sur Lagoon! Ouais, c'était pas ce que je voulais. Je voulais pas traverser. J'ai essayé de cliquer sur B. Malheureusement, ça a été raté. Tenté or. Tenté or tout de même. Tenté l'or tout de même. Pop it up. Woo! Non, j'ai touché 2-3. Je l'avais quand même d'avance. Ah! Para 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 para. Touché deux fois, c'est terminé. Je tourne trop d'avance. Je suis trop habitué d'utiliser les mêmes techniques que les autres environnements. Et je n'arrive pas à avancer correctement et à ne pas me prendre des murs. À me défoncer la gueule sur ces foutues barrières rouges. Tel un roller coaster. La 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 la. La 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 la. Alors, sur cette bulle au cerveau qui m'est passée, c'est parti. Allez, deuxième piste numéro 22, deuxième piste sur le nouvel environnement de Trackmania Turbo Lagoon. Il y a des petits chats.
Il y a des petits chats, il y a des arbres également, il y a des palmiers. Faut faire attention, c'est une piste de 26 secondes. Ça devrait aller quand même assez rapidement, les amis. Allez, c'est parti, on va s'avancer sur la cause. On est là, on est là, on est là. On se fait trop de... on se fait trop de fun, les amis. On se fait trop de fun. Ah, si vous écoutez cette rediffusion, mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes pas en direct avec nous? Tous les samedis, 10h du Québec, 2h de la France. Allez, venez! 8h du Québec, pas 10h. Qu'est-ce que je dis là, moi? Wouh! 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 Uno, dos, tres, forfait, quattro. Allez, c'est parti. Certains auront reconnu une publicité de la télévision québécoise. Wouh! Ça, c'est les nouveaux blocs, hein, qui permettent de coller la route. Non! C'était la fin! On était premier! La 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 la. Y'a un petit panda qui nous colle sur la piste. Y'a un petit panda qui nous colle sur la pipis. Y'a un petit panda. Y'a un petit panda. Y'a un petit panda qui nous colle sur la piste. On a gagné. Quand même, on est dans le top 100 encore une fois au Québec. On va devenir le Trackmania Pro Player du Québec. Ou pas. Des interludes musicales avec moi, les amis. Vous avez tout dans ces lives, vous avez tout. Allez, c'est parti, 23 secondes. Ouf, ça sera rapide, ça. Ça sera une autre piste rapide. Ah oui, le bois, on m'a dit que ça glissait énormément. Donc, je vais faire attention. On m'a dit que le bois glissait énormément. Mais du genre, énormément, on m'a dit extrêmement, beaucoup, passionnément, à la folie. Tu vois? Tu vois que je ne sais même pas ce que je fais depuis le début de cette course et que je ne fais qu'avancer. Et espérer ne pas me prendre d'objets de l'environnement, du décor dans le visage. Et c'est ce qui est arrivé. Je ne comprenais absolument rien de la piste. Genre cette partie-là, j'ai pas trop... Oh putain. Aïe. Ça, ça fait mal. Avec ça, là, vous finissez avec une commotion cérébrale, j'en suis certain. Avez-vous vu? Avez-vous vu? Avez-vous vu le petit bateau? Le petit bateau. Avez-vous vu le petit bateau? Avez-vous vu? Avez-vous vu le petit bateau? Le petit bateau. Je suis sûr que c'est la fin en plus que je rate à chaque fois. Mais bon, c'est pas grave. J'adore présentement vraiment Lagoon. Présentement, c'est mon préféré parce que j'adore que ça colle. Notre adhérence, nos roues collent littéralement au sol. On peut faire des virages de l'extrême de la mort qui tue. Et ça, c'est classe. Parce que rien de mieux que des virages de la mort qui tue pour ne pas se tuer. Voyez? Tout est lié. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. J'ai pris l'eau. On va devoir recommencer. Toum, 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 toum. Toum, 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 toum. Prends-toi pas l'eau. Voilà. Tourne doucement ici. Hypnotique. Marche les doucement, putain. Wouh! Nadeo! On a une médaille, Nadeo! Wow! Brou, 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 brou! Alors, on a battu le créateur de la map et on est 45e au Québec. Wouh! Ça, c'est classe, les amis. On a un succès. Piste suivante, allez! On l'enchaîne! On l'enchaîne, les amis!
Oh, 19 secondes, c'est encore plus rapide que la dernière, ça. Bon, ben c'est parti, hein. Ouais, ça dérape extrêmement beaucoup sur le sable. On m'avait prévenu, hein. On m'avait prévenu. Ah oui, c'est pas le truc, genre, ouais. Je crois que la piste au complet est sur le sable, si je me trompe pas. Je me trompe pas, celle-là. Faut que je tombe plus au début. Faut que je tombe plus au début. On manque pas mal d'adhérence, là. Là, j'étais habitué, genre, d'être sur le... Moi, je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il faut que j'aille à droite. Quand non, non, il faut que tu passes par la gauche. Il faut que tu marques. Oui! Dans l'eau. Il y a des petits chats là qui. Des petits chats porte-bonheur. Je sais plus comment on appelle ça d'ailleurs, ça. Non, ces petits chats là. Ouais, je ne sais plus comment on appelle ça. Ah putain, c'est la droite ou la gauche et moi j'ai décidé de prendre absolument rien. Moi j'ai dit non, je veux pas choisir entre la droite et la gauche. Je ne veux pas faire de discrimination. Wouh! Dans l'eau. C'est pas chico de me baigner, les amis. Que voulez-vous? Moi j'ai goût d'aller faire dans l'eau et bah, le jeu me dit non, tu peux pas, sinon tu vas trop lent et... Moi ça me désole de voir des choses comme ça. Ah, rush. Rush. Les choses qui arrivent. Une chance, c'était pas une tortue. Parce que là, la tortue, eh ben, elle serait morte, malheureusement. Bon, des choses qui arrivent, hein. La mort des tortues dans Trackmania, il ne faut pas s'en inquiéter. Aucun animal ne sera blessé lors de ce stream, je vous le promets. Eh, c'est un raccourci. Je ne crois pas. Para. Ichigumatu Matake Moko. 2 1 Go. Oui. 2 1 Bye bye. Ça aussi c'est une autre publicité que les Québécois reconnaîtront. Ça sent, non, j'allais dire ça sent l'arbre, voilà. On a fait tourniquet 360 degrés, c'est une zone sur laquelle c'est tout à fait facile, vous dis-je, de faire ce genre de manœuvre, c'est tout à fait possible et conseillé, voilà, on l'a refait encore une fois, n'est-ce pas fantastique? On va y arriver, on va y arriver. Pa 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 pa. On n'a pas le choix, il faut prendre le chemin raccourci. Pa da 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 da. Eh, ma musique. Ah, je l'aimais celle-là. Merde. Alors lui est revenu une musique dommage là. Je l'aimais ma musique moi. Ça sent le petit chat, même pas, on n'a pas pris le petit chat, on a pris le poteau à la place. La difficulté encore à cerner le sable. Non, non. Et conduire comme ça. J'aurais ri que ça aurait fonctionné, les amis. Ouh! Au revoir. Pourquoi à chaque fois c'est ma chanson je rate?
peut-être trop concentré sur la chanson, peut-être, je sais pas. Pap. Pap. Un streamer meurt en direct après avoir raté une manœuvre sur Trackmania Turbo. La communauté entière de Twitch est sous l'état de choc aujourd'hui. Reportage de Jean-René Dufort, TVA Nouvelle. Ah, j'ai dit n'importe quoi. Palabalala, palapapala, palalalalala, papala. Moi je passe dans l'eau, c'est pas plus rapide. Moi je passe dans l'eau, je croyais que c'est plus rapide. Moi je voulais passer dans l'eau. Ah, c'est pas la fin après un autre virage et tout, moi. Voilà, donc on bloque au début sur la première portion du circuit. Bah, c'est juste ça, tiens. C'est juste cette portion qu'on recommence depuis je ne sais combien de temps là. On devrait mettre un compteur de recommençage. Ah, oui, ça se dit très bien, recommençage, d'accord. Le raccourci, les amis. Ne bougez pas, moi je prends un raccourci. Ma blague n'a même pas fonctionné. Je suis René News, dit Terence. Rebonjour. Rebonjour. Tu vas nous voir galérer sur cette map. T'as manqué pas mal de choses d'ailleurs. Hi, nous dit Mercy. 93 on the chat. Hi. Rush. Y'a même le rush. Que voulez-vous? Oh, ça c'était pas mal. C'était pas mal. On se débrouille même pas mal. C'était pas mal. C'était pas mal. Y'avait un chat. J'ai pas vu le chat. Le chat. Y'avait un chat. Le chat. Y'avait un chat. Le chat. Y'avait un chat. Chat. En fait, y'avait une rush avant le chat. Boum. Bon, moi j'ai décidé de passer vers le haut. Si ça vous dérange, je suis allé, moi je passe par l'eau, c'est un raccourci. Voilà. Ah merde. Ah, je sais qu'en live ça doit être extrêmement pixelisé. Je le rappelle, on est sur Twitch et Twitch n'aime pas trop ce genre de jeu qui demande un rafraîchissement d'image assez élevé. On a pris le palmier. Terence qui nous dit tu es cool. Ben merci à toi. Ça fait toujours plaisir d'avoir de ce genre de commentaires. Poto. Je suis plus capable de recommencer cette piste. Je vais devenir fou. Allez, c'est parti. Pam. 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 Oui. Tout était prévu. Tout était prévu. Je vous le jure, tout était prévu, monsieur le juge. Vous voyez, c'est parce que j'ai trop de talent, vous voyez. On va essayer de tourner. Moi, encore une fois, j'ai décidé de prendre le plan large. Il y avait encore un chat. Le chat me dérange. Terence qui nous dit, s'il te plaît, fais un live sur NHL. Ben, on en fera un jour, ne t'inquiète pas. Et puis j'en fais un pour la finale de la Coupe cette année. Et là, la semaine prochaine, on va commencer les séries. Donc si on se rend jusqu'en finale de la Coupe cette année, pourquoi pas faire un live sur NHL. Mais cette fois-ci, si je fais un live sur NHL, ce ne sera pas sur la chaîne Twitch de Geeks.com, mais bien sur ma chaîne Twitch personnel. Mais ne vous inquiétez pas, YouTube, je ferai une vidéo pour vous en avertir. Wouh. Oh oui, putain, je l'ai dépassé. Mais j'ai pris une rush. Allez, génial. Ichi mokochi makatola putakanamu katakum pakatikam pum paketapum. La rush qui m'a bloqué. Allez, j'avance.
Ah non. Allez, moi je vais me baigner. Je suis plus capable de cette piste. C'est les 19 secondes les plus longues de ma vie. Oui. Pas grave, ça me permet de rigoler avec vous. Flèche. Vous avez pas remarqué d'ailleurs les flèches au plafond. D'ailleurs comme ça là, s'il y a des effets optiques, on peut voir la flèche soit en haut, soit en bas. Ça c'est classe. Donc c'est pas des petits effets d'optique bien sympathique. C'est pour ça que je hic toute la polique. Ah, palmier. Pas grave de prendre le virage court. Et pourtant je suis pas mal sûr que je remporterais le concours national de la vitesse sur Trackmania Turbo si j'étais capable de prendre ce virage court. Mais à chaque fois je me prends le palmier juste avant. Tam patakam pantan katapam pantan katapam pan. Oh oui, c'est ma chanson. On va essayer de la durée là. Boum 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 boum. Oui d'accord, j'ai continué de rouler juste pour attendre la chanson. Et alors, ça vous dérange? C'est mon live, je fais ce que je veux. Papara, papapapara, papapapara, pap. Ah! Oui. Moi je trouve que passer par l'eau c'est la meilleure solution, non? Les poissons pourraient pas nous donner un boost? Alors qu'on récupérait des poissons dans l'eau et ça nous donnerait un boost subséquent. Palmier! Je suis plus capable de recommencer cette piste. Les viewers, vous devez être découragés de me regarder. Alors j'ai eu l'idée de commencer les best-of sur mes lives. Est-ce que je vais faire des best-of sur mes lives à partir de Gaming Live? Peut-être, qui sait. Donc depuis que je fais des lives sur YouTube, peut-être. Peut-être qu'avant j'étais pas drôle, je sais pas. Faudrait que je regarde. Il me semble être drôle avant. Tout était prévu. Si on n'aurait pas fait un autre 360, on aurait été ok. C'est ma toune! Non! Putain de roche! Tarara papa! Tapa! Y'a un chat sous mon toit, j'entends le chat qui miaule. Y'a un rat sous mon toit, j'entends. Je viens de détruire votre enfance là. Mais littéralement. Votre. Où vous étiez dans les camps de jour. Non, chat! Ah, je vous ai coupé. Censuré la collision avec le chat. Je suis plus capable de recommencer cette piste. Sérieusement, je vais devenir fou. C'est ma chanson! Ah, ça sera plus ma chanson. Est-ce qu'on aurait fait le tour des playlists? Je crois bien que si, n'est-ce pas? Je crois bien que si. Vas-y, Hypnotic Mark, pourquoi tu t'acharnes sur cette piste? C'est emmerdant pour nous. Et alors, vous répondis-je.
Le foutu chat. Ah, il y a un dicton qui dit... Préparez-vous, le dicton de la folie. Un chat... Vous savez ce qui est mieux qu'un... Vous savez où est la place d'un chat? Dans une tombe. Désolé pour les amoureux des chats. J'en ai une autre si vous voulez, hein. Un bon chat, c'est un chat mort. Voilà. Et moi, ben, je commence à me dire que dans ce jeu, un bon chat, c'est un chat mort. Pom para pom 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 para pom 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 para pom 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 para pom. Wouhou! Si vous me voyez partir dans 2 minutes, c'est normal, hein, je vais avoir abandonné ma vie. Stay focus, j'essaie d'être focus, j'essaie d'être concentré. C'est pas facile. Non, c'est pas ma dernière chance. Allez, c'est parti. Mignon. Pouti 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 pouti. Chat. Uno, dos, tres, uno, maco, man. Para, 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 para. Oh putain. Ah, j'étais concentré là, je parlais plus. On essaie de se concentrer. On essaie de se concentrer. On essaie de se concentrer, j'ai dit. J'ai dit, on essaie. Allez! Putain, mais merde, le circuit est pas facile! Et pourtant il est! Je deviens fou! Chat! Chat de merde. Je vais continuer, je vais avoir la médaille d'argent et je vais skipper. Dernier essai. Dernier essai parce que là ça commence à être beaucoup trop long pour vous les viewers. Allez, un dernier. Celui-ci ne comptait pas. Bah, il faut au moins finir la course quand même. On finit pas la course, je veux bien là, mais...
ben là, je suis tanné. Je suis tanné. Ne vous inquiétez pas de mon côté, je vais continuer. Bref, là, ce sera un multipiste en plus. On est le matin, moi, au Québec. Laissez-moi une chance. Laissez-moi une chance, vous voyez, c'est beau mes cheveux quand je fais ça. Regardez-moi ça. Voilà. Nouvelle coupe de cheveux. Voilà. Voilà, voilà. Demandez-moi pas pourquoi je suis pas mort encore, j'en ai aucune espèce d'idée. Mais faut se dire aussi que c'est un multilap et que ça me dérange pas de recommencer. Ben ça me dérange pas en fait de pas avoir la médaille d'or déjà de base. C'est sûr qu'on ne veut pas, il faut pas trop rater. Ben là ça vient de mélangeant parce que là depuis peut-être 15 minutes on essaie de faire une piste avec beaucoup de plages. Donc quelque chose qui dérape extrêmement beaucoup. Tandis que ben, en réalité l'endroit lagoon, je dois pas bouger sur le retour du saut sinon ça marche pas. Le gameplay de Lagoon, en principe, c'est que la piste colle extrêmement beaucoup, passionnément à la folie. Vous voyez ? Non, il y avait une rush, putain ! Et puis tout à l'heure, il n'y a pas de rush sur les environnements proches de la piste, et là, tout d'un coup, rush. Je ne saurais quoi vous dire là. D'accord, on a fini le premier tour. Non! Ah d'accord. Bon bah on repart. Ready en les multilabs, ça me dérange pas de pas avoir la médaille d'or. Mais on s'était très très bien déroulé là sur... On s'est très bien débrouillé sur cette map jusqu'à présent. Dernier tour. Là on n'a pas joué à recommencer malheureusement. Bon, au moins on sait que ici on peut. Je peux obtenir sans trop de mal la médaille d'or si je le souhaite. Donc ça je vais peut-être la refaire de mon côté après le live. Ah, elle est classe cette musique là. Oh, mec, j'étais sûr de pouvoir passer en haut. C'est pas grave, on est pas trop en retard. Faut pas j'oublie le petit saut. Et vrai, c'est vrai qu'ici que l'adhérence revient à son maximum. Ici on passe vraiment juste là. Je sais pas si techniquement on est en train de le rattraper, j'en ai aucune idée. Personne n'aura vu.
Médaille d'argent, ça va. Ça va, sur un multilap, médaille d'argent, c'est bien. Non, pas tenter or que je voulais faire. Piste suivante. Piste suivante. Ce mode de multijoueur n'est pas si inconfortable qu'il y paraît. Il peut accueillir jusqu'à 8 joueurs en solo et 16 en double driver. On pourrait faire du multi. Peut-être un autre live. Si jamais ça vous tente, n'hésitez pas à me dire soit dans le chat présentement du live ou soit encore dans les commentaires de cette rediffusion. D'accord, on a un gros virage. Est-ce qu'on... Bon, on n'est pas obligé de breaker, ça c'est classe. Bon, faudrait peut-être que j'arrête de prendre tous les... D'accord, ça c'est faisable assez rapidement. Si je me concentre bien comme il faut... ça devrait se faire. Faut juste pas je prendre de mur dans le fond. C'est juste ça. Une chance qu'il y avait lampadaire, hein, parce que dans la vraie vie, vous tombez de cette hauteur. Les environnements sont très très jolis également dans le côté lagoon. Une fois qu'on touche un mur, on est automatiquement déporté de l'autre côté, donc ça devient un petit peu impossible de revenir sur ses pas. Tap, pop, pop, voilà. Mais qu'est-ce que ce serait une piste de Trackmania si on recommence pas 40 fois les amis? Qu'est-ce que ce serait? Ce serait pas réel, vous allez me dire. Ouais, c'est un raccourci ça, les mecs. Allez, c'est parti! Ouais, ouais! Pam! 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 Je vais bien, je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou. Go! La papa la papa la papa papa la. Bon, allez. On va essayer de se concentrer un petit peu. Ce qui n'est pas si difficile que ça. Ouais, là. Faut... Un coup qu'on est déporté sur le mur, malheureusement, c'est un petit peu dur de se rattraper, c'est presque voire même impossible. Et voilà, le véhicule touche le mur et on ne sait pas trop pourquoi, il est complètement en dérapage continuel. Moi j'aime les pistes. Toute bitumée. D'accord, on a changé de tempo complètement. Non, 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 non. En fait, quand j'ai commencé à jouer à Lagoon, sur l'environnement Lagoon, en fait, je ne pensais même pas que c'était possible. Je pensais même pas que c'était possible d'avoir plus d'adhérence que l'environnement Stadium. Il a toujours été reconnu pour son endurance extrême, qu'on a presque d'habitude, si on prend les bonnes trajectoires, bien, on n'a pas besoin de freiner. Bah, c'est le cas un peu dans Lagoon, en fait. Dans Lagoon, on a
presque jamais besoin de freiner là. Ah, j'ai une coupe affreuse présentement là. Mes cheveux sont complètement en train de déconner. Non, putain, j'ai touché le dernier mur du fond, c'est ce qui m'a fait déraper. Je suis pas mal sûr que j'aurais arrivé avant lui. Pas mal sûr. Moi j'aime l'épice bétunée. La 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 la. On voit que je pourrais être chanteur, hein. Avouez-le. Avouez-le. J'ai mis la bave partout. Médaille d'or! Qu'est-ce que vous dites ça? 54e au Québec! Qu'est-ce que vous dites ça? Allez, piste suivante. Piste suivante. 9h30 au Québec! Ouais! On approche la fin, les amis. Déjà, il ne reste que 30 minutes avec moi. Oui. 30 secondes, encore une piste. Ah oui, 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 je connais cette piste. Alors, le bois dérape extrêmement. Et là, mon autre côté de lunette ne veut pas. Donc, à noter que le bois dérape extrêmement. Je sais pas si c'est cette piste exactement à laquelle que je pense. D'accord, il y avait un trou et moi je l'ai pris. Je suis sélectionneur de trous de père en fils et je peux sélectionner les meilleurs trous pour vous. Au prix de 99,95€. Ouh! Oh non. Il y a un cargo dans l'eau. Allez, c'est parti. Oh putain. Ah non, mais c'est difficile sur le bois, le véhicule part vraiment vers la droite ou la gauche. Bon, si on ne se plante pas ici, ce qui n'a pas été le cas. Allez, c'est la fin, donc on doit vraiment réussir le demi-tour correctement. Si on réussit le demi-tour correctement, à partir de là, on est correct. Vraiment la difficulté à faire ce demi-tour. Et c'est lui qui me cause des soucis en fait. Parce que le reste de la piste s'avance, débrouille. C'est à peu près des lignes droites, donc c'est pas. Il y a un petit virage juste ici. Mais le premier virage est assez simple à prendre. C'est vraiment le demi-tour qui cause problème.
Allez, allez, allez. Parce qu'en principe, on est capable de le dépasser. Oui, les amis. Ouais, médaille d'or. Voilà, sur cette piste, on est combien au Québec? 93e. Ça va bien, ça va bien. Belle médaille d'or sur ce circuit. Piste numéro 28, je crois. On approche du stadium, les amis. On va débloquer le stadium bientôt. Encore une piste assez courte. J'aime pas du tout ce que je vois là-bas au fond. Putain de merde. Moi, je veux bien que ça colle, mais il faut quasiment que tu connaisses le circuit par cœur là. Et moi, connaissant, vous connaissez ma grande mémoire là. Restez au centre. D'accord, c'est pas si mal, c'est vraiment le premier. Donc je croyais que, vous voyez le tour là-bas, on allait le voir. Mais je pense que c'est ce qu'on fait, mais je suis pas sûr. Bref, c'est faisable. C'est faisable, médaille d'or. Ah, j'ai essayé de couper un peu trop pour essayer de le rattraper. Ça a été raté, malheureusement. On va réessayer. C'est quand même seulement notre troisième essai. Et jusqu'à maintenant, bah, on... Je m'explique ce qui s'est passé. On s'améliore d'essai en essai sur cette map, donc ça va. Vraiment, je retienne par cœur le début parce que ça ne fonctionne pas sinon. Faut pas que je tourne le volant lorsqu'on est dans les airs, sinon c'est une catastrophe qui nous attend. Je vais devenir fou avec ce jeu, sérieusement. Voilà, j'ai trop tourné. Pas trop pourquoi il a dérapé d'habitude sur ce type d'environnement et sur ce type de bitume, on ne dérape pas. Ouais, aussitôt qu'on touche, on va de droite à gauche sans même que j'ai besoin de toucher au volant. Un peu dommage aussi du côté de Nadeo, un autre... un point faible du jeu, je trouve. C'est que les classements ne sont pas cross-platform, malheureusement. Donc ça, c'est un peu dommage. Ah, putain! Pas mal sûr que j'aurais été capable de le dépasser là. Donc oui, les classements ne sont pas cross-platform, donc c'est un peu dommage. Donc les classements, vous avez vu au Québec et tout, bah c'est seulement sur Xbox One, c'est un peu dommage ça. Surtout quand le jeu pourrait s'adapter très bien au cross-platform, il n'y a pas de problème.
Voilà, comme vous voyez, je suis un peu tanné de faire des circuits et de les rater. On n'a pas de moteur, c'est assez facile de partir vers la droite ou sur la gauche. Ah non, merde, c'est une blague, là. Non, mec, merde. Allez, allez, là. Bon, je vais y arriver un jour. Hein. Parce que le but, vous le savez, même si je n'obtiens pas la médaille d'or, si un jour je me tanne tout simplement, ben, il faut tout de même qu'on soit capable de finir sans se planter. Parce que si on se plante, c'est aussitôt moins amusant. C'est aussi un peu plus dommage parce qu'on n'a pas réellement réussi la piste là. Et là, j'étais en dehors de la piste, ça n'a pas trop paru. C'est une blague là, mec! Je touche le poteau et ils me mettent sur le capot, donc je peux plus rien faire. Ah, j'oublie tout le temps qu'il faut tourner, tout le temps, tout le temps, tout le temps! Ah, quand vous voyez parler comme ça là, c'est parce que je suis en train littéralement de péter un câble. D'accord, je suis encore premier pour je ne sais quelle raison. Donc on va essayer de faire attention. J'aimerais au moins vous montrer le stadium dans ce live là, donc je peux pas me planter, c'est ce que je vous dis, même si je vais avoir la médaille, je peux pas me planter. Tantôt j'étais prêt à accepter mon sort là, de pas être... De pas être premier, tu sais, au final je m'en fous là, mais... Vous voyez, des trucs comme ça, ben je peux pas dire, ah ouais, je vais continuer la course comme si de rien n'était, bah non, je me suis planté là. Je peux pas faire autrement, pas trop le choix de recommencer la course du début. Ah, je suis vraiment en train de rager à l'intérieur. Je vais avoir besoin de crier tout à l'heure là. Je vais avoir besoin littéralement de crier parce que ça ne fonctionne. Mon véhicule. Ah! Le véhicule qui se tasse complètement à gauche, sans aucune raison, alors que je touchais même pas le joystick, j'étais en plein saut, tiens. J'ai même pas mon doigt sur le joystick. Jamais compris là que le véhicule tourne tout seul dans les airs. Là, je vais vous montrer de quoi. Essayez avec votre véhicule, c'est un véhicule bien sûr dans une voie sécuritaire. Lâchez votre volant. Vous allez voir que votre direction fera en sorte que votre véhicule ira tout droit si vos roues sont droites et que la route est droite. C'est logique. Donc ici, étant donné qu'il n'y a pas de nid de poule ni rien dans Trackmania, c'est un peu stupide qu'on ne puisse pas faire ça.
Oh, il est en avant de moi, comme je vous dis, rendu là, je m'en fous, je veux juste terminer le circuit. Je suis plus capable. Je ne suis plus capable. Je vais devenir fou! Ah, je parlerai plus là. Ah oui, engine off comme ça, ouais, ouais, ça va fonctionner, c'est sûr. C'est sûr et certain que ça va fonctionner, hein. Tourner trop d'avance là. Pas la fin du monde, c'est vraiment ici que je dois prendre les courbes parfaitement. Et là, j'ai pas pris rien parfaitement. Et là, ce sera engine off. Si j'ai réussi ça de dos, je sais pas ce que je faisais. M'aurais entendu crier au scandale là. Mais ça me fait rire parce que même si je prends le jump au centre, on n'arrive jamais au centre. Jamais, jamais, jamais. Et là, c'est ça qui nous cause problème là. C'est la fin. Depuis le début de ce live, c'est la fin. Enfin terminé. Voilà. Voilà, voilà. Je suis quand même en 16ème avec mon temps de merde que j'ai fait. Bref, on a au moins l'argent. Allez, c'est parti, on passe à la piste suivante. Ça fait du bien. Allez, c'est parti. On approche là du stadium. On approche de l'environnement stadium. On approche à grands pas même. 27 secondes, c'est quand même assez long comme circuit, mais pas dans les plus longs. Quand c'est bien là qu'il fallait aller, hein. Ah, malheureusement, j'ai été déporté vers la droite. Pourtant, je crois même avoir. Être capable. J'ai vu un message dans les commentaires, j'ai pas le temps d'aller lire. Merci de m'avoir follow sur Instagram, nous dit Terence, pas de problème.
Tu es quand même bonne d'avoir trouvé mon Instagram. Bon, enfin, en même temps, c'est pas facile parce que plusieurs d'entre vous savaient mon vrai nom. Parce que je le cache pas. Pas quelque chose que je cache. Mais bon. On verra bien. Allez, allez, allez. Bon, c'est la finale, on va la laisser comme ça, médaille d'argent. Parce que là, le live tire à sa fin, il reste un peu plus de 10 minutes. Et je veux vous montrer tout de même le côté stadium. Là, il nous reste la multipiece à faire du côté de Lagoon. Et après, on pourra passer au côté stadium. Une minute 13, c'est quand même pas si long là. Ah, ça va, si c'est juste ça, ça va bien. Ça va, si c'est juste ça, je me débrouille. Je me débrouille, si c'est juste ça là. Ouais, un tour, voilà, donc si c'est juste comme ça, ça va. Ça va, ça va. Certains me demandaient justement pourquoi j'avais pas fait de vidéo découverte hein, sur Trackmania Turbo, mais c'est parce que vidéo découverte aurait été. Bah, ça aurait été pas mal le même, la même chose que si je vous montre ça. Là. Donc. Dernier tour. Terence qui dit. Tes parents sont là. Je sais pas. J'en ai aucune idée. Moi je suis dans mon studio. J'en ai aucune idée, oui, pour ceux qui savent pas, j'habite encore chez mes parents malgré que je sois à l'université. Pas trop le choix durant les études. Manque de budget. Et voilà, médaille... Wow, médaille de bronze quand même, ça veut dire que je suis pas été très très rapide. Mais bon, on a eu succès parce qu'on a terminé le Lagoon. C'est pas tenter l'argent que je voulais mais bien quitter. Voilà, c'est pas mal, on a eu notre première médaille de Nadeo. Et on va pouvoir attaquer le stadium maintenant. Ouais. Allez, c'est parti. Petit changement, j'ai bien hâte de découvrir le Stadium version Trackmania Turbo. Je n'y ai pas, je n'y ai pas encore joué. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. On va tenter l'or directement. Ah oui, encore les voitures sous l'emblème de votre pays. Ça c'est classe, d'accord, donc ça colle un peu moins. Je dois complètement me réhabituer, donc désolé si la première course paraît un peu d'accord, c'est assez faisable d'avoir la médaille d'or là dessus mais cette piste me dit quelque chose, donc je sais pas si c'est Alors j'ai touché. Ah, le stadium a l'air quand même moins punitif si on n'aurait pas touché une deuxième fois. J'imagine que peut-être le tout aurait été ok. Ouais, ça a l'air bien moins punitif là. Et voilà, médaille d'or. On va faire la piste suivante. J'aurai bientôt la PS4, nous dit Terence. Bah, c'est parfait, tu pourras m'ajouter. Et qui sait, peut-être un jour on jouera ensemble. Certains m'ajoutent et m'invitent. Par exemple, invitez-moi pas. Je ferai peut-être un jour, lorsqu'on sera plus d'abonnés, des batchs abonnés sur différents jeux. Mais invitez-moi pas lorsque je suis en train de tourner ou des choses comme ça. Parce que là, ça me dérange. Et moi je vous supprime si vous faites ça. C'est donc parti, 25 secondes, c'est très très court également. On va voir ce que ça donne.
D'accord, il va quand même y avoir un gros virage ici. Ah, pas mal sûr qu'on peut avoir l'or sur celle-là. Je suis pas mal sûr qu'on peut avoir l'or. Allez, c'est parti. Hop. Ouais, malheureusement, je croyais pas qu'on devait rebarquer directement dans l'autre direction. Mais bon, allez, c'est parti. Ouais, beaucoup, je prends beaucoup trop large au deuxième virage et ça ne fonctionne pas. Tout le temps l'impression qu'il faut tourner tout de suite après, et au contraire, c'est. Faut que je continue d'avancer tout droit pendant un certain temps. Merde! On avait l'avance et je suis pas mal sûr qu'on l'aurait gardé si on aurait fait un saut droit. Ouais, j'ai pas recontinué. J'ai lâché l'accélérateur comme il se doit, mais j'ai pas réaccéléré au même moment que lui. Au même moment que le fantôme de la médaille d'or. Ah, t'es. Médaille d'or! Boum! C'est encore 21e au Québec. Piste suivante. J'adore les nouveaux designs, nous dit Mathieu Bleuet. Oui, oui, réellement. Les nouveaux designs sont très très jolis. Présentement, vraiment, mes deux environnements préférés, c'est Lagoon et Stadium. Les deux environnements. Malgré sur Lagoon, j'ai assez ragé sur certains niveaux. Moi, j'aime bien Trackmania lorsqu'il y a de l'endurance. J'étais un très très grand fan de Trackmania Stadium United. Donc c'est pour ça. 26 secondes, c'est assez rapide là comme circuit. Ouais, me dépasser, il a pas dû prendre le mur juste avant moi. D'accord, c'est la ligne d'arrivée, on est capable d'avoir la médaille d'or sur ce circuit. Médaille d'or, vous voyez, ça a été assez rapide. Vraiment, c'est Stadium que je me débrouille le mieux. Et ça paraît parce qu'on termine les niveaux assez rapidement. Ça m'a surpris aussi que Nadeo décide de mettre Lagoon comme troisième. Donc, vous devez compléter minimum 20 courses médailles de bronze dans deux environnements différents avant d'atteindre Lagoon, qui est pourtant le nouvel environnement. C'est un peu étrange de la part de Nadeo parce qu'on aurait peut-être pensé qu'ils auraient voulu
sponsoriser davantage et mettre de l'avant davantage leur nouvel environnement qu'ils ont créé pour Trackmania. Mais bon. Alors, ce sera la dernière course et après, on se laissera pour ce live sur Trackmania Turbo. Pendant que ça charge, je vous remets pour dire de vous abonner à cette chaîne Twitch, de me suivre sur les réseaux sociaux personnellement, hypnotiquement, vous allez me trouver. Ou bien sûr, de suivre les différents réseaux sociaux de Geeks&Com. Allez, c'est parti! Ouais, avoid the center, je l'ai pas avoidé. Oui, avoidé. J'ai vraiment des mots. Et alors? Ah, j'ai vraiment de la difficulté là. Allez, allez, allez. Ah, ça ne fonctionne pas. D'accord, ça dérape énormément sur le, la terre là. Quand je dis énormément, c'est pas une blague là. J'avais pas vu le virage, pas du tout. Mais pas du tout. Bon, on recommence une dernière fois parce que là je vais devoir céder l'antenne. Waltrius qui sera sur l'épisode 2 de Walking Dead Mission. Donc à rester là les amis, restez là. On essaie une dernière fois. Ouais, j'aime vraiment pas ça. Ouais, ouais, c'est décidé, j'aime vraiment pas la terre. Un peu dommage là qu'ils mixent la terre et notre environnement de stadium. Ouh. On n'a pas le choix, il faut ralentir, on n'a pas le choix. Parce que sinon on passe automatiquement par-dessus l'autre barrière. Donc on n'a pas trop le choix de ralentir. On aura la médaille qu'on aura là, ça sent la médaille de bronze de toute façon, la vitesse qu'on va. Mais bon, c'est pas la fin du monde, moi de mon côté j'y jouerai, hein, comptez sur moi. Pour améliorer mes temps et tout ça. Putain, il y a un foutu virage là. On va quand même terminer la course pour vous la montrer jusqu'à la fin avant de se quitter. Voilà la fin, donc comme je pensais, médaille de bronze. Bref, merci d'avoir regardé ce live. On était sur Trackmania Turbo, le nouveau Trackmania. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Et on se retrouvera très bientôt pour d'autres lives. Moi, je vous dis à samedi prochain. Sinon, restez là. Tout de suite après, il y aura Waltrius sur The Walking Dead Mission. Allez, ciao, ciao.